le bar de la souffrance. En français, on dirait le bar de la souffrance. C'est une chose vraiment de brésilien, ça. Salut, salut, mes amis. Encore une vidéo pendant la journée. On est allé chercher ce petit à l'école. Aujourd'hui, c'était son dernier jour d'école. Maintenant, il est en vacances. Et maintenant, on est en train de rentrer à la maison parce qu'aujourd'hui, c'est un jour très spécial. Nous avons un cours en direct de notre événement et je suis très contente parce que je suis sûre que ça va être super. Et pendant le chemin, je vois des choses curieuses, rigolotes, comme par exemple le bar de la souffrance. C'est des inventions de Brésiliens, ça. En France, je pense qu'on ne verrait pas un petit bar comme ça qui s'appelle le bar de la souffrance. Et d'ailleurs, ça te fait apprendre un peu de français, de relation entre le portugais et le français. En général, les mots qui terminent par « ência », comme « sofrência », vont terminer par « anse », en français comme « souffrance ». Paulo, me fala aí uma outra palavra com « ência ». Decência, indecência. Decência, indecência. Que mais? Decência, indecência. Anuência. A nuance. Nem sei o que é isso em português, mas enfim. Correspondência, correspondance. Vivência. Vivance, não. Aí não rola. Aí não existe essa palavra. A gente falaria vivre. La vie. A gente usaria o substantivo. La vie. Mais c'est une règle qui va valoir pendant presque tous les cas, comme vous avez vu. Et c'est une opportunité, une occasion d'apprendre le français avec des choses un peu... Tendance. Ça marche. É porque toda regra em francês tem as suas exceções. Como em português. Já. Como em português. Como todas as regras, na verdade, do universo, provavelmente, né? E voilà. Et on va voir si on trouve d'autres mots intéressants. Tu as terminé, mon chéri? Ici, maman. Aïe! Merci. Expérience. Théo, tu as passé une bonne journée à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu sais plus? Est-ce que tu as joué? Coerência, congruência. Coerência, congruência. Mas vamos lá, vamos achar mais. Quer ficar só nessas? Você gostou da brincadeira? Não. Ocupa o tempo pra gente voltar pra casa. Esse vlog vai être bilingue, comme je parle d'habitude. Je commence une phrase dans une langue, je termine dans l'autre. Et c'est drôle parce que souvent vous me demandez comment je parle et je parle comme ça. Hein? Je parle tout d'un coup en français avec Théo, après en français avec ma mère, en portugais avec Paulo. Et voilà. Paulo, qu'est-ce que tu penses des vacances de Théo? Je vais t'apprendre une expression. On est foutu. Estamos foutu. On est foutu. On est foutu. Oui, madame, vous pouvez traverser la rue. Et Théo, on... Oui. Et on te moitié de ma maman. Tu as... Ah oui. Tu as tout mangé? Non. Non? C'est donc à mais? Tu en veux plus? Range-la dans ta boîte. Il n'y a pas de problème. Tu la vois plus, la boîte? À tempo, on dit le couvercle en français. Aïe, aïe, aïe. Voilà, tiens. Tu gardes un peu d'espace pour les madeleines, c'est ça? Qu'est-ce que tu aimes manger, Théo? Isso é tudo que eu desejo. Mais o quê? Gostoso que um beijo. Por fora eletrocante, por dentro contagia. Deixa que? Tudo bem quentinho. Não é quentinho. Deixa tudo bem? Sim. Como que é? Não é.
Acho que não tem isso de deixa tudo. Acho que o papai que inventou essa parte. Acho que é por fora ele é crocante, por dentro contagiante. Sai do forno bem quentinho. É, e depois? Fica muito gostosinho. É assim? Pão de queijo. Sai do forno bem quentinho. Foi o papai que inventou essa parte. Esse papai que não vão ter. Papai, você não volta. Lembra como é? Sai do forno bem quentinho. Por fora ele é crocante, por dentro contagiante. Sai do forno bem quentinho, fica muito gostosinho. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Pão, 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 pão de queijo. Como seria essa música em francês? Pão, 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 fromage. Pão, 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 fromage. Pão, 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 fromage. En dehors croustillant, pour dentro contagiant. À l'intérieur contagiant. Contagieux, ça existe pas contagiant. Contagieux. Enfim, já deu pra ver que a cantoria continuou. Ah, existem muitas línguas. Espanhol. Pan, 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 pan de queso. Pan, 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 pan de queso. Mãe tá maluca? E em italiano, como que é pão de queijo em italiano, papai? Pane, pane de quesilo. A mamãe inventou tudo errado. É queso. Queso? Queso é em espanhol, será que é igual? Pane de queso. Fromaggio, fromaggio. Pane, pane de fromaggio. Pane, pane di fromaggio. Pane, pane di fromaggio. Que mais, Bibu? Que outra língua? CD. Vamos pôr o CD. Agora, a gente chegou a essa parte do ritual. Entra no carro, precisamos sempre. On doit toujours mettre le CD do teu. Avec des chansons en français. Tu veux écouter laquelle? Petit papa. Alors, la chanson préférée du CD, c'est celle-là. Petit papa, c'est aujourd'hui ta fête. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Voici des fleurs, chante. Pour en ta fête. Oh, petit papa, petit papa. Non, nada, non. Tu chantes? Je chante. Papa, il faut chanter. Papa. Petit papa, petit papa. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Voici des fleurs pour couronner ta tête. Lapin, un lapin. Petit papa. Ciao lapin. Maman m'a dit que tu n'étais pas là. Voici des fleurs pour couronner ta tête. Consoler ton cœur. Petit papa. Petit papa. Et voilà! Et voilà, voilà! Merci de nous avoir accompagnés dans ce petit vlog de retour à la maison. J'espère que vous avez aimé. À très bientôt! Ciao, ciao!